Hey, c'est Lego Speed et aujourd'hui c'est la je sais plus combien tième de vidéo de ma chaîne. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui nous allons faire. Je voulais vous faire montrer quelque chose que j'ai eu par Auchan. Alors ce sont des cartes à collectionner. Alors c'est parti. Alors j'en ai ouvert une à l'instant hein, que j'ai rajouté à ma collection qui est quand même un peu épaisse. Vu en fait que c'est des cartes à collectionner. En fait, le but du jeu, bah, c'est de les collectionner. Après, bien évidemment, j'en ai eu 6 autres, en plus de la 7ème. Du coup, bah, ça, on l'a par Auchan. Par exemple, quand on va en course, quand on va en course et que on achète beaucoup de produits, peu importe, de la viande, etc., des Lego, tout ce que vous voulez. Et bon, en fait, bah, on reçoit à peu près des cartes. En gros, on a des types de couleurs, des bleus, des violets, des verts, des rouges, des bleus verts, des bleus rouges, des verts violets, des bleus bleu foncé, des verts rouges, des rouges orange, j'en ai deux, des verts orange, j'en ai deux aussi. Des oranges bleus, j'en ai au moins 3. Des rouges bleus, j'en ai au moins 3 aussi. Alors je vais vous reprendre juste après parce que ça fait quand même beaucoup de cartes qui s'empilent. Voilà. Ensuite nous avons le bleu violet, j'en ai au moins 3. Après nous avons le bleu vert et j'en ai deux. Alors ensemble nous allons ouvrir les paquets. Bien évidemment je ne vous montre pas mais je vous montre ceci. Alors je vais vous montrer les bleus, les autres couleurs. Ce sont des cartes à créer. Bien évidemment il y en a qui sont pas du tout à créer. Alors nous avons par exemple cet hydravion, je pense, c'est un avion qui a créé en Lego. Après, on a un sandog, j'ai pas l'accent, mais ça doit être un espèce de fast-food qui se déplace. Alors, ça, c'est une autre. Ça, c'est un scooter des neiges, un kangourou, et il est très bien pour peu de pièces, et un perroquet. Voilà pour les cartes que je voulais vous montrer. Alors je remets les cartes et après on va déballer tout de suite après les autres cartes que j'ai reçues en plus. Alors je vous pose, je vais les prendre. Alors on ouvre, je vais ouvrir tous les paquets comme ça sera fait. Après je vous les ferai montrer. Si je vous montrerai toutes les cartes, il y en aurait pour une bonne centaine de minutes. Je plaisante, bien évidemment. Alors, comme vous savez, bah, je voulais faire un projet Star Wars. J'avais mis en vidéo des informations comme quoi j'allais faire une vidéo sur Star Wars, vu que j'avais promis sur ma première vidéo. Alors, vous inquiétez pas, c'est tout frais. Ça va. Après cette vidéo-là, je vais la sortir 5-10 minutes après. Voilà, il reste encore un paquet. Et du coup, bah, je vais vous faire montrer les sets que j'ai. Bien évidemment, je ne les ai pas tous ici. Là, nous sommes dans ma chambre et bien évidemment, ils sont au studio. Alors, ceci, on l'avait déjà vu. Ça, c'est nouveau. Comme vous pouvez le voir, c'est un ours polaire. Je mets de côté. Alors, ceci, c'est des jetons, des autocollants, alors qui sont à collectionner. Alors bien évidemment, ça m'en fera 2, 3, 4 et 5. Pour l'instant, parce qu'il y en a encore dans ces cartes-là. Hein. Dans ces cartes-là, il y en a encore. Ça, c'est ceux que j'avais. Donc ça, on l'avait déjà. L'ours polaire, c'est nouveau. Lui, c'est nouveau. C'est une personne qui se réveille. Lui, c'est un réparateur. Lui, c'est une personne déguisée en poulet. Un vampire.
un bateau à créer, un bateau à moteur, alors encore des autocollants, d'Auchan, encore la même figurine, hein, je mets de côté, le poulet encore, la vampire encore, et donc Lego, il... alors cette princesse là je l'ai aussi, ce perroquet là aussi, comme vous avez pu voir il y a quelques minutes, ce jet ski aussi, cette motoneige pardon, aussi on a encore des autocollants, ça m'en fait je sais plus combien, encore un homme poulet, une vampire pareil, la princesse encore, alors lui il me semble que je l'ai aussi, c'est l'alpiniste. Le dragon de la muraille de Chine. Un phare à créer. Encore un autocollant. Un elfe pour créer les jouets. Une personne déguisée en plante. Un requin. Un toucan. Créé. Une navette spatiale à créer. Encore des petits autocollants d'Auchan. Un pionnier. Le nain de guerre. La prof de gym. Le toucan, on l'a déjà. La navette spatiale, on l'a déjà. Celui qui se réveille, on l'a déjà. Le mécanicien, je ne l'ai pas encore. Ça sera ma première. Le Yeti, je l'ai déjà. La surfeuse, je ne l'ai pas encore. Le hot dog, je ne l'ai pas encore. Je l'ai. Et le soudeur, je ne l'ai pas. Et pour terminer, une petite vignette encore de Auchan. Alors, ces cartes-là sont des vignettes de Auchan. Ils sont faits par deux. Alors ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors on a déjà 20 vignettes. Alors vu que j'ai eu au moins 7 paquets, plus ceux d'avant, que je n'ai pas fait de vidéo, et bien ça en fait quand même un sacré tas. Grâce à ces vignettes, je vais vous expliquer à quoi elles servent. Ce sont des vignettes qui sont appliquées sur un dépliant. Alors, par exemple, vous voyez les petits sachets de briques à construire, comme par exemple le toucan. Ou je sais pas s'il est sur un dépliant, sur un dépliant autre. Par exemple, si vous voulez l'acheter, par exemple dans un sachet. Au lieu de le payer par exemple 3,99€, si vous mettez par exemple 4 autocollants, vous l'aurez à 1€ moins cher. Bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre 4 autocollants et après vous l'avez qu'un euro. Ça, c'est Auchan qui décide et c'est Lego. Bon, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour cette vidéo. Du coup, on a amassé quand même pas mal de cartes, hein, en plus. J'en ai encore un bon tas à trier par rapport aux couleurs, hein, qui sont au-dessus des cartes. Du coup, voilà, ça fait déjà quasiment presque 10 minutes qu'on est ensemble. Alors, je vais vous dire... Alors, le projet, il faut que je termine de finaliser. Dans 5-6 minutes, je le sortirai. Donc, voilà... je vous tiens au courant, j'avais fait aussi une vidéo info sur les lives que j'allais faire et les vidéos à venir. Donc voilà, c'était Lego Speed. Et si tu veux t'abonner à ma chaîne pour suivre les autres vidéos de Lego Star Wars, Lego City, Lego Ninjago, les infos et théories sur la saison 10 de Ninjago, c'est vous qui voyez. Likez la vidéo si ça vous fait plaisir. Ajoutez un commentaire. Positif, négatif, c'est vous qui voyez. Et voilà, c'était Lego Speed. À plus.